Mathieu Mbumba, Mushimai, Tosengi na binu kutikala ya kuvanda, kino pepo ekotele, mebobo sana mkumba na binu te. C'est aux alentours des 18h27 que la secrétaire politique nationale en charge de la gestion des terres, Madame Karine Moulamba Mouchagaloussa, a foulé les sols de la province de Lomami, très précisément dans les territoires de Ngandajika, ce mardi 21 juin 2022, après avoir parcouru par route une distance de 90 km allant de Mbujimayi à Ngandajika avec une mission précise, redynamiser et implanter l'Union pour la nation congolaise dans ces territoires si significatifs qui avait adopté l'honorable Vital Kamerhe pendant une bonne période de sa jeunesse. À l'entrée de Ngandajika, la cité verte, comme on l'a surnommée à cause de son caractère agricole, c'est une marée humaine composée des hommes, des femmes et de jeunes en joie qui ont pris d'assaut le véhicule transportant la SPN en charge de la gestion des terres. Et sur leur bouche, on pouvait entendre un seul message. Mama Karine Moulamba Manyonga, vous êtes les Moïse de l'UNC en Ngandajika. Dans la parcelle du fédéral qui a refoulé du monde devant la population de Ngandajika, l'envoyé du secrétaire général Bully Kambali Erasten a prêché l'évangile du docteur Vital Kamerhe et insisté sur l'engagement de tous pour faire réellement de cette entité le bastion de l'UNC. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup à dire, mais on va se reposer et on va se revoir ensemble avec mes frères et sœurs que vous êtes. Je suis vraiment ému de joie. Je suis en train de manquer les mots. Je suis en train de sécher dans le sens que vous-même, vous n'avez qu'à voir ce que vous voyez aujourd'hui comme monde. Donc, je voudrais dire que c'est du jamais vu en Ngandajika. Le territoire de Ngandajika, c'est le territoire qui a vu l'honorable Vital Kamerhe grandir. Ici, dans ce territoire, si vous voyez les gens comme ça, vous avez vu que les haltères de Ngandajika sont pleins. Les gens ont suivi à pied pour dire que nous allons accueillir les partis de l'honorable Vital Kamerhe, lesquels partis avaient été oubliés pour le territoire de Ngandajika. C'était pour nous de plaire. Les gens pleuraient pour dire que nous sommes aujourd'hui au pouvoir avec l'UNC. Mais on n'a jamais vu les gens qui viennent quand même fortifier ce parti. Il est vrai que nous avons déjà accueilli certaines personnes qui sont venues, mais l'arrivée de Mme Karine Manyonga Moulamba, des pères et des mères, c'est vraiment une joie pour le peuple de Ngandajika en général, c'est une joie pour la fédération de Ngandajika, c'est-à-dire l'Union pour la nation congolaise UNC, c'est vraiment une joie. Les sentiments qui nous animent, c'est vraiment un sentiment de joie. Nous sommes débordés par la joie ce soir, c'est vraiment une soirée de consolation. Nous sommes consolés par Madame et tout ce que nous espérons d'elle, c'est que les choses prennent quand même une nouvelle marche. Que les gens sentent effectivement que nous sommes un parti au pouvoir. Nous voudrions cette fois-ci que l'UNC Ngandajika, l'UNC Fédération de Ngandajika puisse vraiment rayonner. Que l'UNC Ngandajika puisse porter vraiment sa nouvelle robe. Tujingi tisanga jabuni, tujingi la maman Karine, jisika jiva.
entité wetu parce que tout bantu délaissé INC tout monde vila numukana twende twenze ma réunion katu ini mwa ba fixe wani INC udini wende bureau mwa baka kampande to mais hetu ni volonté ni souci ni souhait wani twenze INC mujum. En tout cas, tu dis bon maman Karine, tu dis bon maman mal et ton sou, manga ta solution. Tu dis maman comme manyeni, boaluté tu dis quoi que nous sommes très contents wani, tu as tout le monde wako ba mamu ba INC, ikale hende député. Parfois tu bois ku tumbucha ko ku buika campagne. Tu dis pas so mamu entité, mu tu ka dis maman ya bia mu, mais tu ke ba ko tu wani, we tu te tu dis mu tu manyeni mu jiri. Ikale hende ku lwako wani, tu fikishila ko ku malu campagne. Ndimumaini tujibashala mukungulu mudeha katuyini muntu mulo kutukumbula to malgré tout vuni ba mama bavu balwa bavu bambani tujibale bwa kulongolola mais muntu nalo wani ujulo kumbasha majingo sonu jibamba nangu tujitambira mama karinu bwani ateka moyi hashi mumane kufika mukachi mwabana babu jifika jimpa tumujini jifika jimpa jikwata ja mujimujimpa muka munganda jiko mwitwemu kalenga kamona kamba nji mukutani disanga badifika ja mama kali na munganda nje chisumbu chetu cha INC kinchi sumbu chiri chiledi bwa mkinje uto nchumo cha mubisumbu bine na byamuritu nga jakong kaji munganda nshike mwemu tuvuni kanyinga nyinga tujile bihwekele munda gwalubwa INC kavuni mumo wakuiji INC bantu bavumomo babaso bavumomo babashala bamfumo katika bayini cha kwambira bantu bwa lokopo vuni mushindo kwa kwa bantu to njumani ni bantu batuli nabo aba badini majinga abon muri tunga tukari bashala tetu ni tukari banga andamana wa yombo katu chini bukola bwa tetu kwambira bantu bwa lobo kutumva to tukari batangi le bonso no IDPS habini INC ujichisumbu chidi hanyuma IDPS atu tumbusha IDPS tutumani INC mu INC mujisonga mita bonyi idi shome idi kayi nyimijumu idi itata wakuye uyonso kadi lamika ku IDPS na ngulelo tulibasanga to ambani jitela mu kwa hechi je tulisanga nyima magarini kuri ni cha bwaku kutunzulile bibi bwani INC ashala bu IDPS katu ikadi ni nunga nyimumbi di mwe tulwa kwa manya abamba kulumba batu itato bwalu tuli mu bulunda tuli belanga na mabo takuina mu kulumba kuina mwana di bantu mu bulunda bonso mbabu kole mu hel. Nous sommes très contents de son arrivée. Et ce que nous préférerions de sa part, l'INC n'est pas un parti de l'opposition, l'INC c'est un parti au pouvoir. Mais l'INC n'a pas la permanence en danger. Et puis, le pouvoir qu'on a, les cash, quand on parle de cash, c'est l'IDPS, l'INC. Et il n'y a même pas un chef de quartier qui est nommé ici en danger à travers l'INC qui est un parti au pouvoir. Comprenez d'abord cette ingratitude de la part de nos frères ou nos collaborateurs. Quand je vous dis qu'il n'y a même pas un chef de quartier, ça dit beaucoup. Dans sa peau de la combattante de première heure, au sein de l'Union pour la Nation Congolaise, la Benjamin du tout premier congrès ordinaire de l'UNC, toujours accompagnée du docteur Mouchagaloussa Bissimwa Gustave, son époux et pionnier de l'Union pour la Nation Congolaise, s'est rendue chez l'administrateur du territoire, M. Alexandre Kayumba. Question de présenter ses civilités à l'autorité établie et signaler la présence de sa délégation dans les territoires. Bienvenue, sentez-vous à l'aise de Ngandajika. Devant vous, c'est M. Alexandre Kayumba Ngongo, administrateur du territoire de Ngandajika. Il est informé de votre arrivée. Une ambiance de bonheur a sanctionné cette journée à la satisfaction de la population de Ngandajika qui a promis de vendre du camériste dans cette partie de la République démocratique du Congo comme de petits pains au coin des avenues. Bana betu chijubuji muntu pontompo nyanya galagala kiyalelu maluma kulukulu ashile makama pemwaba je manque de mots. Personnellement, je manque de mots. Je rends grâce à Dieu le Père, mon créateur. Je rends grâce à Dieu de voir que notre président est libéré en ce jour, acquitté en ce jour. En Ngandajika où je suis,
c'est pratiquement une émotion sans pareil. Je dis merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwantombolo, Mouema Kaninda. Je rends grâce, je remercie le secrétaire général qui a pu maintenir le parti et qui a bien entendu fait beaucoup trop de diplomatie pour que nous puissions arriver à ces résultats. Et à mon président, je lui transmets tout mon amour, tout mon soutien, toute mon affection. Ensemble avec l'équipe fédérale, nous sommes derrière le président et nous disons gloire à Dieu. Tout à l'heure, je pense qu'on sera avec l'équipe fédérale et peut-être qu'ils auront à dire, mais actuellement, je suis à vous de parole. Merci beaucoup. Dieu est grand. Et nous voici. Dieu reste ce jour Dieu. C'était prophétique. Nous voici dans l'ambiance de notre mission. Nous sommes très très contents. Bon, Manu Soussou. L'équipe fédérale. Nous dansons tous les moments. La grande joie. J'avais prédit, il sera acquitté, puisque la justice de Dieu est arrivée. J'ai l'émotion, j'ai la grande, je manque même des mots. Ce que je peux faire, c'est remercier mon Dieu pour l'acquittement de notre président national. On était orphelins. Aujourd'hui, je vous dis que l'icône de la démocratie en République démocratique du Congo. Viva! Un miracle s'est produit, messieurs les journalistes. Il a été en Andajika. Il avait étudié en Andajika. Madame Espen est en Andajika. Voilà. L'interfédéral en Andajika. L'acquittement aujourd'hui, pendant que nous sommes là. Anandajika, glorifier Dieu. Merci. Et je remercie la justice congolaise. Par rapport, ils ont compris qu'il fallait la quitter. Et c'était un dossier sans soubassement. Et je n'ai rien dit. Nous sommes en train de savourer la joie. Hey, hey, you are my baby,
émotionné, on manque de mots. Puisque je suis dans le coin en Gandajika, j'ai dit Kamanabampato Abiyabi Samba. Il a assisté à notre VEKA. Quelle émotion! Quelle émotion! Les gars, on est contents! On est contents! Ouais! Je suis juste bouche bée. Je ne sais pas parler, mais je rends grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a fait que notre président soit libre actuellement. En tout cas, merci à Dieu, le Père Créateur. Merci au général 5 étoiles, Billy Kambale. VEKA, Ngandajika t'aime. Ngandajika est derrière toi. Ngandajika est dans l'euphorie. Merci. Ce mercredi 22 juin 2022 n'a pas été de tout repos pour Mme Karine Moulamba Mouchagaloussa, secrétaire politique nationale en charge de la gestion des terres, en mission de redynamisation et implantation de l'Union pour la Nation Congolaise UNC dans la province de Lomami, très précisément dans le territoire de Ngandajika, après son carton plein à la veille de son arrivée dans ces coins de la République. Tout a commencé à l'auberge d'Itunga, où elle a tenu une réunion matinale avec toute l'équipe de la Fédération de l'Union pour la Nation Congolaise, partie chère à l'honorable Vital Kamerhe de Ngandajika. Occasion de fixer l'ensemble des animateurs des structures territoriales sur les canevas de la mission, les objectifs à atteindre et la responsabilité qui incombe à tous pour l'accomplissement en bonté des instructions reçues du secrétaire général Billy Kambale Eraston. Juste après cette rencontre, Madame Karine Moulamba, accompagnée de son époux, le docteur Mouchagaloussa Bissimwa Gustave, de l'interfédéral Ndibou Kassendwe Meshak, qui a rejoint l'équipe à la tête, provenance le fédéral Gilles et quelques membres de la fédération, se sont rendus au bâtiment administratif du territoire sur invitation de l'administrateur pour s'enquérir de l'état piteux dans lequel se trouve non seulement cette bâtisse et ses locaux, mais également les calvaires dont fait face les fonctionnaires. Prenant la parole dans le bureau de l'administrateur du territoire après avoir été touché par un tableau catastrophique peint par le patron de l'administration du territoire de Ngandajika, Alexandre Kayumba, la SPN Karine Moulamba Mouchagaloussa a promis de ramener ses désidérata acquis des droits de son retour à Kinshasa. Du bâtiment administratif territorial de Ngandajika à la prochaine destination, il y a 30 km. C'est en début d'après-midi que la délégation stratégiquement constituée a accompagné Madame Karine dans le village Kaseki Salanga où repose en paix les corps de Mama Chowa Salanga Anna, mère biologique de la SPN Karine Moulamba Manyunga, en passant par le village Benamande, son village natal, village de son père biologique, Papa Moulamba Mwanantou Tumba, Anatole. Objectif, au-delà de la visite familiale, établir une étude de faisabilité sur le parcours et identifier les coins stratégiques pour l'implantation de l'UNC, les recrutements des membres et leaders des villages environnants. À la surprise générale, après un moment d'échange avec l'autorité religieuse du village, l'abbé de la paroisse Saint-Thomas, ce sont les emblèmes de l'Union pour la Nation Congolaise, arborissant les longs de la route et portés par les tantes et oncles paternels, cousins et cousines, témoignant ainsi les sentiments d'appropriation du parti dont leur fille est cadre, l'UNC. Poursuivre son périple à destination du village Kaseki Salanga, la SPN a tenu à rappeler aux siens que les fonctions étatiques dont elle occupe aujourd'hui et qui font sans doute la fierté des Benamandé sont les fruits de son engagement à l'UNC, aux côtés de son mentor Vital Kamerhe, en qui elle tire son abnégation. Ngandajika, ses chefferies et villages doivent désormais être inscrites dans la nouvelle vision du parti prôné par son président national et malaxé par le secrétaire général Billy Kambale. Je compte sur vous, ma famille, car la charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Au village Kaseki Salanga, dernière étape de la journée qui s'achève sur des émotions inédites, accueillies en joie par ses tantes et oncles maternels.
Madame Karine Moulamba-Moucha Galoussa n'a pas su contenir ses larmes en pareille occasion. Dans les bras de celle qui représente sa mère, Chowa Salanga Anna, les souvenirs d'enfance se sont érigés en barrière et lui ont conduit vers la tombe de la défunte, devant la maison familiale, où elle s'est inclinée avant d'échanger avec la famille pendant plus de 2 heures autour de la construction et l'érection et l'érection d'une pierre tombale en mémoire de sa pauvre mère, ainsi que de l'implantation de l'UNC son parti dans ses villages. La journée de la Benjamine des tout premiers congrès ordinaires de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, s'est clôturée par la promesse de revenir dans ces deux villages dont elle tire ses origines avant la fin de son séjour, cette fois-là pour l'implantation du parti et des meetings politiques de mobilisation et recrutement. Vous avez la bénédiction de l'interfédération de l'UNC Lomami. Et maman, je suis en train de vivre depuis que je suis à l'UNC des choses que je n'ai jamais vues. Et mes amis, je suis votre grand pasteur de l'UNC. Je vais vous prêcher l'UNC. En tout cas, maman, félicitations. Comme je vous avais d'ailleurs précisé que nous venons pour l'UNC et par tous les moyens possibles, l'UNC, le parti de Vital Kamerhe doit avoir toute la masse possible. C'est-à-dire, on va prêcher l'évangile UNC à ceux-là qui sont réceptifs et à ceux-là qui vont être sceptiques ou ceux-là qui vont être hostiles au parti UNC, nous allons les avoir d'une autre manière. Donc la synergie qui porte mon nom, c'est un élément d'appui à l'UNC. Pour maintenant colorer le tout et faciliter la mobilisation et l'implantation de l'UNC en Amérique, nous avons quand même songé à une mobilité, n'est-ce pas? Et nous avons prévu une moto et 3 vélos. Merci, maman. Maman a dit qu'elle est venue dans sa porcherie déposer 2 porcs mâles et femelles. Elle rentre, elle viendra visiter la porcherie pour voir si les 2 porcs ont porté des petits. Si elle trouve que les 2 porcs n'ont pas porté des petits, elle va devoir abattre les 2 porcs, le mettre dans le frigo et ça va servir de la viande. Je vous dis grandement merci de cet appui combien louable l'UNC Nandajika vient d'avoir entre vos mains. Tout à fait. Qu'on n'a jamais eu. Parfait. Depuis que l'UNC existe. Tout à fait. Ça, c'est une fierté pour nous. Et nous aurons un peu à nous en servir comme des grandes personnes responsables. Parfait. Et partout où je suis passé, j'ai laissé des gens continuer. Il y a eu continuité. L'UNC reste telle qu'elle est. Et chaque personne qui viendra pour chapeauter la fédération devra prendre soin à des appareils acquis à votre mobilité. Je veux juste te dire, en disant que les hommes passent, les hommes restent, pour dire que ces éléments, c'est pour l'UNC, qui est la personne morale. Ce n'est pas pour une personne, individu. Non. C'est pourquoi même le siège a été signé. La personne, c'est UNC. Yes. Donc comprenez que si il arrive que le mandat passe et que vous devez passer, ayez l'amabilité de remettre à la personne. Tout. Qui va venir vous succéder parce que nous devons continuer avec la bonne marche. Merci. Ça n'appartient pas à un j'insiste, mais ça appartient à l'UNC. Aussi longtemps que l'UNC persistera, parce que c'est une âme, l'UNC.
C'est un état d'esprit. C'est-à-dire l'UNC ne mourra jamais. Et toute personne qui viendra, soyez quand même élégant et acceptez de laisser ce qui vous avait été donné au nom du parti. Avec l'interfédération de la province des Lomami et l'ensemble de l'équipe de la Fédération du territoire Ngandajika, la SPN en charge de la gestion des terres, Mme Karimou Lamamoucha Galoussa, en mission de redynamisation dans ces coins du pays, s'est vue dans l'obligation d'ajouter à l'ordre du jour l'excellente nouvelle surprenante. De l'après-midi de la journée du 23 juin, il s'agit de l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa acquittant le président de l'Union pour la Nation Congolaise, Vital Kamerhe. À la fois une prophétie pour celle qui avait reçu de main du pacificateur Vital Kamerhe les drapeaux de l'Union pour la Nation Congolaise en tant que Benjamin du premier congrès ordinaire de la formation politique aux couleurs rouge et blanc en 2011. Car lors de sa prise des fonctions au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa le jeudi 24 juin 2021, jour pour jour une année passée, elle avait déclaré devant la presse « Je dis grand merci ». Au pacificateur Vital Kamerhe, injustement derrière le barreau, la justice divine existe. Je suis convaincu que la justice, dans son indépendance, va corriger les erreurs commises au premier degré. Et mon président Vital sera bientôt parmi nous un homme libre. Avait-elle laissé entendre joie, émotion, larmes et euphorie, la brave et dévouée à la cause de son parti politique UNC, Karim Moula Mamouche Galoussa, a mis en place sur les champs une commission d'organisation de la célébration digne de l'acquittement de l'homme innocent, sérieux et correct, l'honorable Vital Kamerhe, ce samedi 25 juin, lors de l'inauguration du siège fédéral de l'UNC Ngandajika, et a instruit l'interfédéral de se rassurer que cette activité soit haute en couleur. Vital Kamerhe a vécu ici. Le sol que vous foulez en Ngandajika, notre président a été ici. Ngandajika l'a abrité une portion de sa jeunesse. Donc, je vais dire de manière de fil en aiguille que le président Vital Kamerhe est le nôtre parce qu'il a vécu ici, il a étudié ici. C'est comme ça qu'il m'a dit, madame, quand vous partez, passez mon amour, mes salutations à tous les Ngandajikois. Je ne sais pas si ça existe, mais je préfère le dire comme ça. Ngandois. Voilà, les Ngandois. Ah, voilà, merci, merci pour la correction. L'ensemble des points à l'ordre du jour épuisés, notamment l'état des lieux de la fédération, les activités pour la redynamisation du parti dans la province, la logistique pour le fonctionnement sans interruption du parti et les divers, c'est dans une ambiance agréable entre camarades du parti cher à l'étoile brillante de notre destinée Vital Kamerhe que cette réunion a pris fin dans la cohésion. UNC, toujours ensemble. Ce samedi 25 juin 2022, la population de Ngandajika et les membres de l'Union pour la Nation Congolaise ont célébré un double événement. L'acquittement du pacificateur Vital Kamerhe ainsi que l'inauguration du nouveau siège de l'UNC Fédération Territoriale de Ngandajika, la Cité Verte, où le cadre membre militants et sympathisants de la formation politique, la mise organisée était venue répondre massivement à l'invitation de celle qu'ils ont surnommée Mama Solution. Mama Karuna Wetu, Tudi Neji Sanga Kwa Kukwa Kajila, Wewe Leba Eba Dorte Akusta, Mugu Loba Kwa Banga Kwa Deba. Au rythme du
danse et de chant. La joie et le bonheur s'est dégagé sur le visage des uns comme des autres, démontrant ainsi les sentiments d'une population ragaillardie par la présence de la SPN Karine Manyonga Wabinamande et l'acquittement du fils de l'homme Vital Kamere Lwakaningini Kingi. On croirait la célébration d'un nouveau-né sur la terre des hommes. Pour son allocution, émotion et joie, se disputant son visage, Karine Moulamba Mouchagaloussa a remercié les bons dieux en qui elle croit et à qui elle avait recommandé la vie de son président national, Vital Kamere, plaçant son sort entre ses mains durant ces deux années de dures épreuves qu'il a traversées. Nous avons dit ensemble avec le comité fédéral de Ngandajika, avec la présence remarquée et remarquable du numéro 1 de la province, l'interfédéral, nous allons de célébrer la libération de notre président et l'état des droits. C'était le jour de l'inauguration du siège de notre permanence. Concernant l'acquisition du nouveau siège fédéral de Ngandajika, une donation qui porte les noms de la brave et dévouée SPN Karine Moulamba Mouchagaloussa a exhorté le bénéficiaire d'en faire un très bon usage pour la redynamisation des activités du parti et les rayonnements de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, dans cette partie de la République, car, dit-elle, l'Union pour la Nation Congolaise est une âme et un état d'esprit. Je suis la vôtre, moi, Manda, et je partage avec le Benakassé qui là où repose calmement le corps de ma mère, paix à son âme. Je serai désormais la vôtre. Nous allons passer le temps ensemble. Nous allons partager l'idéologie du parti ENC ensemble. Nous avons personnellement, j'ai besoin de votre soutien, vous en tant que frères et sœurs. Personnellement, je ne peux rien. Vous valez beaucoup pour moi. C'est en nous tenant les mains entre nos mains que nous allons mettre le flambeau de l'UNC briller plus haut. Vous tous qui êtes ici, nos invités de marque, au nom du président national Vital Kamere. Nous avons revêtu notre jeune bébé de couleur meilleure. Le comité fédéral de Ngandajika ne va pas apporter ça et là dans la vie. Désormais, nous avons une adresse et nous allons faire beaucoup notre poids pour s'arranger à ce que toutes les conditions sociales et administratives soient respectées. Pour qu'ensemble nous puissions faire la fierté de l'honorable docteur Vital Kamere, le pacificateur, autrement dit l'homme correct, innocent, sur qui le président de la République attend pour s'occuper de fonctions de l'État. Je n'invente pas la roue, c'est la réalité. Bientôt, nous allons nous arranger à ce que le fils de Ngandajika, parce qu'il a étudié ici, il doit venir vous rencontrer ici. Ngandajika, je vous remercie de tout cœur. Au nom du président national, je vous dis merci. Au nom du secrétaire général, je vous dis merci. Je vais devoir vous laisser et on va se revoir très bientôt. Nous sommes ensemble. Désormais, Ngandajika sera ma priorité. L'UNC sera assise confortablement en Ngandajika.
du fond du cœur, je vous dis merci d'être là pour nous. Pour couronner les tout, Karim Moulamba Mouchagaloussa, Mama Solution, a également remis à la Fédération des Ngandajika d'Angika une moto et trois vélos pour faciliter la mobilité dans la mission de l'implantation du parti, les recrutements de membres et la mobilisation de militants dans les secteurs, le village de ces territoires et le matériel de bureau au bonheur de l'ensemble des membres de la Fédération de Ngandajika. Nous avons une grande joie en tant que ligue des femmes Ngandajika, province de l'Omanie. Nous étions des orphelins et des orphelines, mon frère. Mais pour cette fois-ci, nous verrons une dame qui vient auprès de nous, qui s'appelle Maman Karine, qui nous a loué une pièce, qui nous a remis des choses qui n'étaient même pas encore une fois remises. Mais pour cette fois-ci, nous ne parlons pas de l'histoire. Nous avons une réalité, nous avons une siège, nous avons des matériels durables pour siège, il est sécurisé. Je veux tout simplement encourager les mamans d'être fidèles à l'UNC. Nous ne sommes pas encore des orphelins et des orphelines. Pour cette fois-ci, nous avons notre père, Vital Kamer et le Magnifique, qui vient d'être libéré. Et effectivement, nous avons une grande joie de les journalistes. Je m'en fais promettre d'exprimer mon émotion. Mais, les termes me manquent. Je suis ravi. J'ai la joie immense d'avoir à ce jour la personne de Maman Karine Manyonga qui vient consoler la Fédération de Ngandajika UNC. On a été délaissé, on a été oublié beaucoup d'années. Mais voilà ce jour, on n'avait pas de siège. On pouvait monter des postes de réunion hebdomadaires chez les privés. On pouvait faire des réunions chez les particuliers. Ce n'était pas légal. Mais voilà ce jour. Nous avons la voix immense que je vais exprimer au travers de cette cérémonie grandiose avec le don, avec la donation que vient de faire Maman Karine Manyonga à l'UNC Ngandajika. À peine trouvé le siège qui est inauguré aujourd'hui, en ce jour du 25 juin. Nous avons encore une dotation d'une moto, marque Bajaj, pour faciliter la mobilité, la sensibilisation, la mobilisation à l'intérieur de tout Ngandajika. À part ceci, nous avons aussi des vélos au sein de l'UNC Ngandajika Fédération. Nous avons la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes et le comité fédéral entier. Nous vont mettre à disposition de leurs services au sein de l'UNC, ces motos, ces donations à bon escient. Je vous assure que ce que maman Manyonga a donné, ça fait la fierté de l'UNC en Angica. Nous avons presque toute la fourniture du bureau. Et je sais que le travail administratif de l'UNC en Angica, ça va fonctionner normalement. Nous serons à travailler, à utiliser ces dons à bon escient en tant que vrai responsable. Buffet offert à l'ensemble du comité fédéral et des invités par Madame Karine Moulamba au guest house d'Itunga a sanctionné cette célébration dédiée au pacificateur Vital Kamerhe. Bonne santé, Son Excellence, Madame, et je vous souhaite la bienvenue dans le village de Kaseki Salang. Faisant suite à sa visite familiale la semaine dernière en Salanga, où elle avait promis revenir pour la mission de redynamisation de son parti, l'Union pour la Nation Congolaise, la secrétaire politique nationale en charge de la gestion des terres, Karine Moulamba Mouchagaloussa, accompagnée de son époux, le docteur Mouchagaloussa Bissimwa Gustave, a passé de la parole aux actes ce mardi 28 juin, en installant effectivement l'UNC dans les groupements de Kaseki, territoire de Ngandajika, le village Salanga, au cours d'une manifestation
nation jamais vécue dans ces villages ni ses environs. Nous célébrons le repos éternel de notre maman. Nous allons également installer l'UNC section de Salanga aujourd'hui. Cette installation a eu lieu aux alentours des 15h, puis après la messe dite en hommage à Mama Chowa Salanga Anna, mère biologique de la SPN, à l'occasion de la construction de sa pierre tombale. Au rythme folklorique, symbolisant la venue d'une princesse issue d'une lignée royale, drapeau rouge et blanc, couleur de l'UNC dans les airs, Madame Karine Magnon Ngamulamba, bravant ainsi la douleur de meilleurs et errés souvenirs de Mamu Chowa Anna, quelques pas de danse traditionnelles lui ont été arrachés par la foule qui, au-delà des célébrations afin de la venue de l'UNC à Salanga, elle célébrait aussi ses jours l'acquittement du docteur Vital Kamerhe avec les siens. À sa prise de parole, Mwamande Karine Mulamba a invité les habitants du village Salanga d'adhérer massivement à l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, afin de témoigner lors des élections à venir tout cet amour qu'ils ont toujours manifesté à son accueil chaque fois qu'elle est de retour, tout en faisant miroiter à tous le privilège dont elle jouit ces jours grâce à son guide Vital Kamerhe. Fruit de son engagement, abnégation et loyauté, la SPN en charge de la gestion des terres a conclu son propos en répondant favorablement aux plaidoiries des jeunes footballeurs et celles des élèves qui ont du mal à bien apprendre à cause de l'état de délabrement dont se trouvent leurs infrastructures. Vous m'avez parlé d'une école délaissée du coin. Je suis parti avec à cœur et quand je suis revenu, j'ai quand même pensé à faire un geste de charité à cette école. Nos jeunes qui sont en train de jouer au football ont aussi présenté les leurs. Même s'il y a la souffrance, tout le monde a droit au loisir. Je vous ai amené des chaussettes, je vous ai amené des ballons que je peux... pour organiser et harmoniser les choses, parce que nous devons avoir un tournoi. Et au-dessus de tout, c'est aussi une façon de célébrer la relaxation ou l'acquittement de notre président national. La joie est en train de couler, ça n'a pas encore fini. Notons qu'un tournoi de football pour les footballeurs débute ce mercredi 29 juin dans ce village Salanga et les équipes participantes bénéficieront d'une assistance de Madame Karine Mulamba Mushagalusa et les groupements demandés et la prochaine destination de la Benjamin du tout premier congrès ordinaire de l'UNC en 2021. Touché de son arrivée dans le territoire de Ngandajika, province de Lomami, par la situation précaire à laquelle fait face une catégorie de la population rurale. Philanthrope légendaire, la secrétaire politique nationale en charge de la gestion des terres, Karine Mulamba Mushagalusa, également présidente de l'ASBEL Synergie Karine Mulamba Manyonga, la dynamique fille de Benamande s'est vue dans l'obligation de palper la réalité et les difficultés de ses habitants qu'elle a partagées avec elle à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'accession du pays à son indépendance. Sur une moto, choix approuvé également par son époux, le docteur Mushagalusa Bisimwa Gustave, cache-nez, foulard et lunettes pour la protection des yeux, les couples va parcourir plus de 30 km de route sans avoir pensé aux calamités du parcours suite à l'état piteux du tronçon. C'est le centre de santé de Kaseki, une agglomération avec plus de 80 000 habitants qui a bénéficié d'une dotation d'un lot important de médicaments de première nécessité, des thermomètres et de cache-nez, avec instruction d'administrer gratuitement ces produits reçus aux malades en difficulté. Lors de la visite de malades et des installations, tous les nouveaux-nés présents ont bénéficié de la prise en charge gratuite et du paiement des factures d'accouchement de la part de la femme battante Karine Mulamba Mushagalusa et son époux, le docteur Gustave Mushagalusa Bisimwa. Maman Karine Manyonga.
Notons pour la petite histoire que c'est dans ces centres de santé jadis de fortune que Mama Chowa Salanga Anna, mère biologique de la SPN Karine Moulamba Manyonga, est venue au monde. Après la santé, c'est le secteur de l'éducation qui a retenu l'attention de la synergie Karine Moulamba Manyonga à travers sa présidente. L'école primaire Mejima Kané à Salanga s'est vue honorée par la visite de la fille du terroir alors que les élèves étaient sur le point de regagner leur domicile. C'est un constat de désolation et d'amertume à première vue que fait les couples. Difficile de parler d'une école de l'État, pas des tableaux. Les enfants se mettent à même les sols. Les enseignants ne sont pas rémunérés. La direction de l'école est sous un arbre. Bref, difficile de croire qu'en plein 21e siècle, les enfants congolais étudient encore dans ces conditions. C'est de voir comment cette école fonctionne dans des conditions inhumaines. On va faire ce qu'on peut. On va voir ce qu'on peut apporter comme apport à tous les niveaux. Quand je parle de tous les niveaux, je fais allusion aux efforts personnels, aux efforts de mon époux ici présent, et même aux autorités compétentes au niveau de Kinshasa. On peut s'aider. Moi, on peut faire un deal avec les autorités là-haut et voir comment on peut vous prêter main forte. Et voir comment on peut venir au secours. Mais sinon, ce que je dois vous dire, c'est merci d'encadrer nos enfants. Ne vous lâchez pas, hein, parce qu'il n'y a pas de motivation. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de construire le Congo de demain. Je vous prie de dispenser cours avec amour, parce que, comme vous le savez, les ans passent, les institutions restent. Et ces institutions, qui les dirige, qui les conduit, ce n'est pas les enfants, la jeunesse d'aujourd'hui. Et cette jeunesse, si elle est délinquante, elle n'aura pas du dur, elle n'aura pas les capacités nécessaires pour faire fonctionner les institutions. Donc vous faites un travail noble et vraiment chapeau bas. Je m'incline, vous avez tout mon respect et surtout tout mon encouragement. Un lot de crayons, des stylos pour ses élèves ont été dotés à la direction de l'école pour distribution gratuite à tous. Des rames de papier pour la direction et à part cela, une enveloppe a été remise au directeur pour la prise en charge des enseignants et l'aménagement de quelques tableaux avant que cette situation soit ramenée à qui des droits. Au retour de Karine Moulamba à Kinshasa, elle part de cette école avec la promesse ferme des enseignants de l'épée, mais je Makané d'adhérer tous à l'Union pour la Nation Congolaise, son parti politique. Dernière étape, le secteur de la jeunesse. Placé comme pilier et moteur du développement de la RDC par son parti politique, l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, et priorité de son mentor, l'honorable Vital Kamerhe, sépare un tournoi de football organisé par la synergie Karine Moulamba Manyonga que la SPN Karine Wabenamande a réuni l'ensemble des jeunes du groupement de Kasiki au terrain Diataboua où s'est jouée la finale entre les deux sélections finalistes FC Nyongolo face au FC Diataboua. Okay.
La SPN Karine Moulamba a exhorté cette jeunesse à prendre à bras les corps sa destinée, poser chaque action en ayant dans la tête qu'ils sont des acteurs majeurs du développement de notre pays et que c'est dans l'unité et la cohésion que nous changerons la République démocratique du Congo. Ce loisir aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est pour communier avec mes frères et l'avenir. C'est dans le cadre de la synergie Karine Moulamba que nous organisons ce tournoi de l'Asie. Donc nous sommes actuellement nous sommes dans le cadre social, mais nous sommes aussi dans le cadre économique et ainsi de suite. Médaille en or pour la deuxième équipe FC Nyongolo, une coupe en or également pour l'équipe gagnante du tournoi FC Djataboa. C'est là, après deux paires de vareuses et bas de première qualité, une vareuse, un sifflet et un chrono pour l'arbitre, voilà qui a fait la joie de cette jeunesse conscientisée et responsabilisée face aux enjeux de l'heure et aux échéances électorales à venir. Secteur Tiamba, territoire de Ngandanjika, groupement Mandé, dans le village Benamandé, l'Union pour la Nation Congolaise a désormais une section. Il s'agit de l'une des sections de cette formation politique, chère à l'honorable Vital Kamerhe, qui vient d'être installée par la secrétaire politique nationale en charge de la gestion des terres, Karine Moulamba Mouchagaloussa, au cours d'un meeting devant le chef coutumier. Les habitants du village Benamandé, le militant et sympathisant de l'UNC, pour faciliter la tâche aux membres et nouveaux adhérents du coin, qui effectuaient plusieurs kilomètres afin de prendre part aux activités du parti à Ngandanjika. Madame Karine Moulamba Manyonga a appelé la population du village Benamandé à adhérer massivement à sa formation politique et répandre la bonne évangile du docteur Vital Kamerhe dans tous les villages et ses environs. Elle est symbole de l'implantation de l'Union pour la Nation Congolaise ici, chez Manda et chez Kachimbo. Chaque fois que vous verrez ce drapeau, vous vous souviendrez de notre parti et même de votre fille. Banabetuba Mwamanda. Donc, pour toute information nécessaire, venez le voir. Ils vont vous enregistrer et tout va aller très bien. Banabetuba Mwé. Une danse traditionnelle pour accueillir ces nouveaux-nés dans le village, un vélo doté à la section pour le travail des recrutements et mobilisations sur le terrain. Voilà l'activité qui scelle la mission de redynamisation effectuée dans la province de Lomami, territoire de Ngandanjika sur ordre du secrétaire général Billy Kambale et Ralston par la SPN Karine Moulamba Mouchagaloussa, désormais surnommée Mama Solution ou encore Muko Keshi. Wamalaya, celle qui accomplit et tient toujours ses promesses par les Ngandois et les Ngandoises.